SoFoot a fait une très bonne année en 2017. D'une part parce qu'on a été porté par l'actualité football, avec l'arrivée de Neymar notamment au PSG, ça nous a pas mal aidé. Et puis ensuite, il y a eu des numéros un peu forts dans l'année. Il y a eu notamment un numéro très important pour nous, qui était un numéro d'été avec Ronaldinho, qui consacrait tout le numéro à Ronaldinho, et ça renouait avec cette espèce de force qu'a SoFoot d'être exhaustif sur un personnage et de donner vraiment toute l'ampleur d'un homme à travers 150 pages. Et ça, c'est le numéro qui marche toujours très très bien. Et puis après, il y a un effet d'accumulation. SoFoot, ça fait 15 ans que ça existe, et donc il y a un bouche à oreille qui continue de fonctionner et qui continue de donner encore plus d'ampleur à la marque. Et ça, c'est pas prêt de s'arrêter, j'espère. Et 2018 risque d'être encore une meilleure année, et ça, c'est plutôt cool, puisqu'il y a la Coupe du Monde. Donc a priori, on se prépare une très belle année 2018.